Salut tout le monde, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour goûter un nouveau projet de Jay Park, Ask About Me. Jay Park, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste de musique coréenne, bien qu'il soit né en Amérique, il est né à Seattle, dans l'état de Washington. Il est connu car il a un succès phénoménal dans la musique coréenne, je crois qu'il a sorti 4 albums et un mini-album en coréen, et il co-dirige le label de hip-hop coréen AOMG. Je voulais parler de lui en fait sur ma chaîne, parce que déjà de 1, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, mon profil est dans la description de la vidéo, j'écoute en fait de la musique coréenne, j'écoute de la K-pop, des K-rock, mais aussi du rap coréen, et en fait j'ai pas que c'est un artiste que je connais depuis quand même pas mal de temps, je crois que je l'ai connu en 2012-2013, ses sons en fait me plaisent bien en fait, il a vraiment un style qui est très très américain. Certes parce qu'il est américain lui-même, avec des origines coréennes, donc on sent vraiment du coup l'inspiration et l'influence hip-hop R&B américaine dans sa musique. Et c'est vrai que depuis en fait j'ai toujours gardé un œil et une oreille vraiment sur sa carrière, voir du coup ce qu'il faisait, ce qu'il sortait en fait. Et forcément j'ai appris que Jay Park sortait un nouvel album qui était un album important pour sa carrière. Déjà parce qu'en juillet dernier il a signé sur Roc Nation, le label de Jay-Z, mais en plus c'est son premier album entièrement en anglais. Donc certes, c'est pas un album de 12 ou 13 titres, c'est un album avec un format assez restreint j'ai envie de dire, un peu comme les albums modernes j'ai envie de dire, qui suit vraiment du coup la mode de ces nouveaux albums, hein, comme Kanye West et Jay-Z du coup l'ont fait. On a du coup 7 titres, l'album dure 25 minutes, mais voilà en fait, mais franchement là je pense que ça pourrait être intéressant de l'écouter, surtout qu'il y a des featuring super intéressants. Par exemple sur l'album il y a Kashi, Rich The Kid, Vic Mensa, 2 Chainz, et donc je trouve ça super intéressant d'en faire une vidéo parce que déjà de 1, très peu de gens connaissent la musique coréenne en France. Et franchement, j'avais vraiment envie de le faire en vidéo. Donc du coup, on perd pas de temps. On s'écoute ça sur Spotify. Il y a 7 titres. Et c'est parti pour son numéro 1, FSU, featuring Gashi et Rich The Kid. Ok d'accord, donc Fuck Shit Up, FSU, très très lourd, j'aime beaucoup, la prod elle est mortelle. Comment je classerais les couplets en fait, je dirais numéro 3, Gashi, numéro 2, Rich The Kid, qui en fait du coup a un flow assez similaire à ce qu'il fait d'habitude. Et par contre numéro 1, Jay Park, je trouve que Jay Park il a vraiment plié le morceau, que ce soit sur le refrain, mais surtout son couplet, mais surtout son couplet, il a un flow vraiment nickel sur ce son là. Le son il est mortel, mais en fait il a fallu du coup, peut-être je pense un featuring un peu plus intéressant, un featuring un peu plus justement... peut-être un peu plus violent au niveau de la voix, c'est un peu dommage. Genre, je pense qu'il y a genre un Asap Ferg qui aurait été pas mal sur ce son là, je pense. Mais ouais, ça reste un super son pour ouvrir le projet. Numéro 2, Chosen One. Hey. Prod assez posé. J'aime bien la petite mélodie en fait, jouer avec genre de lignes sinusoïdales en fait. Glider là, en fond qui est pas mal du tout. J'aime bien le son. Le couplet 1, je sais pas, je suis pas fan de son flow sur le couplet 1. Par contre le couplet numéro 2, il a un flow vraiment un peu plus saccadé, qui vraiment se colle super bien à la prod, qui rend en fait vraiment du coup le son beaucoup plus dynamique. Ça me plaît beaucoup plus. Encore une fois c'est vachement ego trip, hein. je suis l'élu en fait. Chosen One ça veut dire ça, je suis l'élu. Donc c'est vachement ego tripant. Mais franchement ouais, j'aime bien, ça passe bien. Numéro 3, Sexy Forever. Ok d'accord, c'est un peu plus lover, là on passe vraiment du rap à du R&B. C'est plus posé certes, il y a un autre thème qui est abordé, mais ouais, sa voix elle est bien, mais je pense qu'elle est pas assez bien utilisée une fois dans ce son là, c'est un peu dommage. Parce que même s'il chante bien, je trouve que c'est mal exploité, c'est un peu dommage. Ouais, pas fun de ce son là. Numéro 4, Million. Pas mal ça. Million pas mal du tout, j'aime bien. Très très R&B encore une fois, vachement lover. J'ai un million de choses à faire, un million de choses à prouver, un million de choses à perdre. Mais je reste à côté de toi chérie. C'est très très lover, très très romantique, j'aime beaucoup. La prod elle est mortelle, la prod au niveau du deuxième couplet là, avec le en fait, c'est genre de Rod qui joue son jouet mais filtré. Vraiment très très stylé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, j'ai l'impression qu'il manque un featuring en fait. Genre là-dessus un featuring, genre je sais pas, Ty Dolla Sign ou Jeremiah. Ça aurait été mortel, ça aurait comblé le son vraiment parfait. Voilà, même une voix féminine, genre Jenny Aiko, ça aurait été mortel sur ce son-là. Ça reste du bon son, mais il manque un truc. Numéro 5, Yacht, featuring Vic Mensa. Je connais bien ce son-là.
Yeah. Franchement, son là il est mortel, j'aime bien. Comme je disais en fait pendant l'écoute, c'est que son là je le connaissais déjà. Parce qu'en fait il existe en version coréenne. Et je crois que c'est un son qu'il a déjà sorti il y a, j'ai envie de dire 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Donc en fait c'est un son qu'il avait déjà sorti, mais en version coréenne. Avec un autre featuring, du coup je sais plus comment il s'appelle le gars, le chanteur avec qui il était. Mais vu que là du coup c'est son album américain, son album anglais, il l'a fait en anglais avec Vic Mensa. Vic Mensa déjà, donc on va parler de lui. Le couplet était pas mal. J'ai pas trop aimé son début de couplet en fait, je trouve que son flow était vraiment pas en fait calé sur la prod. Mais du coup après quand son passage il passe un peu plus rappé, dès le moment où il lâche le flow en hey, il est en fait, il est carrément mille fois mieux en fait sur la prod, c'est vraiment carrément mieux. Le son il est vraiment très très stylé, j'ai beaucoup aimé la prod, ça fait vraiment très très été. Ça me plaît beaucoup. Numéro 6, Ask About Me. Ok, bah en fait sur là du coup c'est comme son nom l'indique en fait, Ask About Me. Demande-leur à mon sujet, en gros c'est quoi? C'est un son du coup dans lequel Jay Park se présente auprès du public américain. Où du coup en fait il explique un peu sa vie, il explique un peu qui il est, il explique un peu ce qu'il fait. C'est pas mal du tout, mais je trouve que ça manque de, encore une fois, ça manque de saveur. En fait, je trouve que ça, l'intention est bonne, mais ça, il manque en fait un truc en fait. Il manque que ce soit la prod elle est bien, mais je sais pas en fait, j'ai l'impression qu'il manque un truc au niveau du flow ou alors au niveau d'un featuring, je sais pas, mais il manque un truc en tout cas. Dernier son, numéro 7, Soju featuring 2 Chainz. Le son il est bien. Il me semble que du coup c'est aussi son premier single en anglais. Le premier single du coup qu'il a balancé pour en fait se présenter au public américain. Le son il est bien, j'aime bien la prod, c'est posé etc. J'aime bien comment Jay Park pose. Même si je trouve qu'encore une fois il manque quelque chose. C'est bizarre mais j'ai l'impression qu'il manque des adlibs. J'ai l'impression qu'il manque je sais pas un truc qui fait qu'il donne un peu plus de rythme, un peu plus de peps à la prod. Et le couplet de 2 Chainz, normalement j'aime bien 2 Chainz mais là son couplet il est vraiment très très vide. Trop en fait basique de la part de 2 Chainz, c'est un peu dommage. Là vraiment on a 2 Chainz vraiment, j'ai envie de dire, fatigué dans son dans ce couplet là quoi, c'est vraiment dommage. Parce que du coup il apporte absolument rien à la prod et absolument rien au son. Et c'est fortement dommage. Et du coup je trouve ça un peu bête de finir sur ce son là. Je pense que ça aurait été bien de commencer sur ce son là et finir justement sur le son FSU. Mais bon, voilà du coup mon ressenti pour Soju. Et pour ceux qui ne savent pas, le Soju en fait c'est un alcool, c'est une sorte de saké mais coréen. Sud-coréen bien évidemment. Bref, donc en première écoute de Ask About Me, le premier projet anglais de Jay Park. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Jay Park, comme je l'ai expliqué, ça fait quelques temps que je l'écoute et c'est vrai que j'aimais beaucoup ses sons en coréen. Et j'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'il sortait un projet en anglais. Mais c'est ce qui m'a donné du coup envie d'écouter son projet et de le faire en vidéo. Là, franchement, après une première écoute, je trouve que ça reste vraiment dans la lignée de ce qu'il fait en coréen. Mais en voulant toucher beaucoup plus le public américain, donc forcément, il utilise des façons de rapper vraiment très très typiques en fait des rappeurs américains. Le flow en hey, des fois ça peut saccader, etc. Vraiment des flows très populaires, j'ai envie de dire. Les prods sont très très bonnes, il n'y a pas à dire. Même si je trouve que dans la plupart, en fait, il manque des éléments qui pourraient en fait les rendre plus dynamiques, un peu plus rythmés. Les futuristes sont bien choisis, même si je trouve que 2 Chainz en fait aurait été bon si ça aurait été un bon couplet de 2 Chainz, mais là malheureusement on a un mauvais couplet de 2 Chainz, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, Vic Mensa fait très très bien le taf, il se colle vraiment très très bien à la prod malgré un début de couplet vraiment un peu bizarre. Et Gachir et Lucky sont vraiment très très bons sur leur couplet, même si je pense que voilà dans l'album en fait il manque des featuring clairement. Je pense que c'est ce qui manque du coup à Jay Park sur ce projet là. En tant que rappeur, chanteur, R&B, coréen, il a énormément de talent. C'est vraiment du coup dans ce secteur là qu'il a vraiment plus de popularité. Je trouve qu'en fait pour son côté anglais, pour son début de carrière sur Rock Nation en tant qu'artiste anglophone j'ai envie de dire, je pense qu'il aurait dû en fait faire un projet un peu plus costaud, un peu plus travaillé. Je pense que là, parce que certes il y a de bonnes idées, mais je trouve que c'est vraiment trop vouloir plaire à un public qui n'est pas forcément le sien en priorité. Mais ouais, en fait c'est trop du fan service sans vraiment l'être, parce que du coup en fait c'est un essai de fan service et c'est mal exécuté, c'est vraiment dommage. Si je devais donner une note à ce projet là, ce serait un 5/10. J'ai pas vraiment aimé malheureusement, il y a des sons qui m'ont plu mais que j'ai pas aimé plus que ça. J'ai beaucoup aimé FSU, Million et Yacht, mais je pense que ça s'arrête à là. Franchement ouais, c'est un peu dommage, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux en fait de la part de Jay Park. Mais bon, je lâche pas l'affaire, je pense que le prochain projet risque d'être mieux puisque du coup ce serait son deuxième et je pense qu'il y aura moins de pression sur lui. Donc à voir, mais en tout cas voilà du coup mon avis après une première écoute de Ask About Me de Jay Park.
vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous suivez d'autres artistes coréens, s'il y a d'autres artistes coréens que je devrais suivre. Bien évidemment, ne balancez pas des noms comme les B.I.P, EXO ou G-Dragon, ça je connais déjà, d'accord. Donc, balancez-moi des trucs que je suis susceptible de pas connaître. Et bien évidemment, n'hésitez pas à répondre au sondage qui arrive en haut à droite de la vidéo pour me dire est-ce que vous pensez que le début anglophone de J-Park est réussi avec ce projet-là, oui ou non. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, partager ma vidéo et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez écouter le projet en entier, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de la vidéo pour l'écouter ou pour l'acheter en ligne. Encore une fois, si ça vous plaît, achetez le projet. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute ou pour une nouvelle review et sûrement une nouvelle playlist fraîche. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.